Eh bien bonjour à tous, c'est Baligo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. On se retrouve pour le 5e épisode de notre carrière manager avec le FC Séville, spécialement pour les vacances. Au programme aujourd'hui les amis, on va s'attaquer à l'Atlético Madrid, deuxième match contre eux, donc le match retour du championnat. Franchement ça va être vraiment, vraiment tendu parce que l'Atlético sont dans les premiers. Alors on va aller voir le classement, on va faire un petit point comme ça sur ce classement. On va l'ouvrir, on a vu que l'Atlético était premier, 2 points d'avance sur le Real Madrid, tout le monde a joué autant de matchs. Barcelone est 3ème, pas très loin. On est 4ème, on arrive quand même à se sortir un petit peu les doigts vite fait de ce championnat qui est vraiment très costaud. On a 5 points de retard sur Barcelone, on a 5 points d'avance sur le Celta Vigo. Ça va, on est un peu entre, voilà, entre deux chaises, on est le cul, voilà, hein. Bon, c'est pas dégueu, j'ai fait beaucoup de matchs nuls comme on peut le voir, hein. 11 matchs nuls. C'est pas la fiesta, on plante des buts quand même, ça va, on est pas dégueu. Je pense qu'on peut rester à ce poste là. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse grimper d'une place, hein, ça va être chaud vraiment. Mais déjà 4ème, normalement on se qualifie pour la Ligue des Champions. Alors je sais pas par contre en Espagne si 4ème il y a un tour préliminaire de qualification. Je pense que oui, mais c'est pas grave, franchement au pire c'est pas grave, si on perd on sera en Europa League, mais je préférerais être en Ligue des Champions largement. Du coup on est quand même bien placé, on n'est pas dégueu. Là, on a un match contre l'Atlético Madrid, on va aller voir la compo, hein, la compo qu'en ce moment je joue avec, enfin je joue tout le temps avec ça, c'est vraiment la compo qui marche bien. Pour moi en tout cas, on a Ben Yedder et Vieto en pointe, Vieto qui évolue à une vitesse affolante. Oziakoub derrière, Philippe Andersen à droite, Konoplyanka à gauche, Nzonzi derrière Oziakoub. Tremolinas à gauche, Mariano à droite en défense, et en défense centrale, on a Kolo Dziedzak et Rami. Au cage, Rico, le bon vieux Rico. Et puis voilà pour la compo les amis. Donc du coup, moi ce que je vous dis, de suite pour ce match contre l'Atletico. Ça va pas être facile, mais on va mettre le feu. Allez c'est parti les amis pour ce match contre l'Atlético Madrid. On est chez eux, on a les mêmes couleurs que chez nous, donc au final on n'est pas trop perdu, hein. On se croit un peu à domicile du coup, on va s'ambiancer, on va mettre le feu. Allez c'est parti. Surtout n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Bon les amis, toujours pas d'occasion, j'ai tourné autour du pot un bon moment devant leur cage, sans trouver de solution. Ils sont bien en place. Donc ça s'annonce chaud. Ils sortent pas en fait. Ils restent vraiment en défense. J'ai l'impression qu'ils veulent pas prendre de risques. Je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai fait de la merde là. Allez. Konoplyanka. Allez par-dessus. Pour Ben Yedder. Ben Yedder. Allez. Allez. Oh punaise. J'avais fait la passe. Je l'ai vue mais elle était pas assez en retrait. Et puis Oziakoub avançait un peu trop vite. Mais c'est pas grave. Allez attention. Allez vas-y. C'est bon. Putain, Rico qui met 8 jours à se lever et qui s'est dit c'est le matin, il va prendre ses cornflakes et tout là. Allez, Konoplyanka qui m'a apporté beaucoup après l'avoir rappelé de près. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mis en prêt en vrai, Séville. Il met le feu, je trouve, le petit Konoplyanka, il fait plaisir. Allez, tir croisé. Allez, bim, 1-0. Voilà, très bien. Vieto qui est très très bon. Je vous le conseille, c'est un buteur franchement qui m'a apporté que de bonnes surprises en fait, parce que je voyais sa vitesse, pour moi il était trop lent en fait. Je me disais, ce mec je vais en chier pour le contrôler et tout. Mais finalement, il progresse super vite, il a une finition imparable. Et au final il arrive très bien à protéger ses ballons quand il est dos au but. Et puis il se tourne assez facilement quand même pour s'orienter face au but. Franchement il est agréable à jouer, il est pratique, il est agile. Voilà, et puis au niveau finition il est super quoi, il y a rien à dire. Allez ça fait 1-0, on continue. Allez, je suis content de dominer face au leader de la Liga. Ça fait plaisir, 27ème minute. Et pour le moment, ils nous ont pas vraiment inquiétés. J'ai connu des matchs beaucoup plus difficiles que celui-là. Je suis content. Allez, à droite. Hop. Vieto. Hop. Allez, c'est bon, ça passe. Oziakoub. Ben Yedder. Allez, on revient derrière. On fait la passe là, voilà, Konoplyanka. Allez, on l'a toujours. Tremolinas qui la remet derrière sur Nzonzi. J'aime faire tourner comme ça. Ben Yedder. Putain, merde. Allez, il va la récupérer. Ah, pas du tout. Allez, bien joué. Tremolinas. Allez, à gauche. Sur Konoplyanka. Ça passe. Voilà, oh, joli. Joli ça. Allez, la petite passe. Oh, oui. Oh non, comment il fait pour pas la cadrer? Putain, j'avais tout donné. La petite talonnade, là, c'est parti de là, c'était assez joli. La passe, là, était bien, mais alors... elle est détournée. Du coup, corner.
Corner. Allez, on appelle le petit Konoplyanka comme d'habitude. J'aime bien faire ça avec lui parce que lui, il met le feu. Merde, pas du tout. Ah, on gagne un coup franc. On gagne un coup franc. Allez, attention à ce bon coup franc. On va se mettre comme ça. On va le tirer rapido, comme ça. Hop, là. Oh, c'était pas mal. Allez, boum. Oh, belle frappe. Je sais pas qui c'est qui a frappé, mais je crois que c'était Vieto. Elle était plutôt pas mal. Bon, écoutez, il n'y aura pas eu beaucoup d'occasions dans cette première période. On aura mis une bonne pression sur les épaules de Madrid qui, au final, n'aura pas vraiment du tout trouvé de solution. On aurait été plutôt bon. Du coup, ça annonce une deuxième mi-temps beaucoup plus corsée pour l'Atlético. Généralement, c'est comme ça. Hein. Les clubs adverses, ils font souvent une très bonne mi-temps et une deuxième mi-temps moins bonne. Donc là, ils ont fait la mi-temps moins bonne, je pense. Et du coup, ils vont attaquer. Et à mon avis, ils vont être très lourds en seconde période. En tout cas, on est à la mi-temps, les amis. On mène 1-0, ça fait plaisir. On aurait pu en mettre un deuxième, je pense. En tout cas, on trouvait des petites ouvertures. Il n'y a pas eu beaucoup de tirs après. On va aller voir les détails du match. L'Atlético, 0 tir. On a totalement la possession du ballon. On a fait 3 tirs, 3 cadrés. On est plutôt pas mal. On est bon. On va rester sur ce rythme. C'est parti. Attention. Bien joué, Nzonzi. Nzonzi qui fait la diff. Oula, bonne récupération de l'Atlético. Attention, ça part. Nzonzi, t'as Nzonzi, il est solide. Hein. Oh merde. Oh là. Oh là. Oh là, qu'est-ce que t'as? Oh putain. J'étais pas bien là. Je l'ai vu dedans, honnêtement. Faut que j'arrête de faire de la merde. Et attention. L'Atlético qui veut revenir dans ce match. Ils peuvent revenir, hein, je le sens. Je le sens commencer à pousser un petit peu plus. Mais on défend bien pour le moment. On est en place là-dessus. Allez, ça passe. Allez, bien joué pour Vieto. Vieto. Le tir à droite. Ouh, bien placé, ça fait plaisir. Voilà. C'est ça qui est bon, les amis. Bah, le tir à droite, c'est exactement ce que je voulais faire. Il était super bien placé, ce tir. Et puis, voilà, c'est le régal. C'est le régal. 2-0. 2 buts de Vieto. Vieto, franchement. Voilà. Je pense qu'avec mes autres carrières, il y a des chances que j'aille le chercher incessamment sous peu. Avec Bordeaux, avec, voilà, avec Paris, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, franchement, moi, c'est une super bonne surprise, ce joueur. J'adore. Hein. Je suis devenu fan, quoi. Allez, on continue. Attention, la Fletico qui accélère. Oh putain, il m'a mis une tempête, mon gars. Oh là 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 là, ouais, bah là. Il a juste un petit coup de rein. Il a mis Rami dans le vent. Rami, il était là. Waouh. Waouh, putain, les gars, il y a du vent. Où est-ce que je suis? Il était pas bien. Il était pas bien. On va revoir le ralenti. Franchement, j'ai été totalement surpris. Là, il y a la passe pour. Voilà, alors là, c'était ce coup-là. Alors là, Rami, il s'est dit, oula, je suis pas bien. Je suis en retard. Je suis en retard, c'est tout, les gars. Allez, salut. Et pourtant, putain, mais il tire sur le gardien. Le gardien, on dirait qu'il fait une matrix, quoi. Il fait. Il la touche pas. Voilà. Allez, 2-1. Allez, bien joué. Allez, ça passe. Allez, au milieu. Oh, voilà la bonne passe. Ben Yedder. Oh, Ben Yedder qui aligne son. Enfin, son. Je sais pas son quatrième but. Le troisième but de la partie, ça fait 3-1. Là, franchement, on a trouvé des bonnes passes. Ça fait plaisir. Voilà, moi, comme je disais juste avant, je sais pas si je vais le mettre dans la vidéo, mais à un moment, j'ai essayé de tricoter avec Ben Yedder, mais j'arrive pas. Je suis pas un gros skiller. Moi, par contre, j'ai plus la vista. C'est-à-dire que j'arrive à voir les petits espaces et tout. J'arrive à faire des passes plutôt correctes. Heureusement, sinon, je serais pas bon, je pense. Et enfin, je suis pas excellent non plus. Mais du coup, voilà, ça fait 3-1. J'allais dire 3-0. Ça fait 3-1. Le coach est content, nous aussi. Voilà, on refait le break, ça fait plaisir. Allez, on continue. Du coup, on va faire des petits changements. Vu qu'on est à la 72e minute, on va peut-être faire rentrer le petit Coréen un petit peu, le faire jouer. À place d'Ozia Coupe. Succès, il joue en équipe B. Qui c'est qui joue pas beaucoup? Là, il joue tous en équipe B après, donc sauf Coréen. Allez, on continue. Allez, très bien ça. Oula. Attention, l'Atlético qui attaque. J'ai failli dire le Real. Attention. Oh là, merde. Putain, je leur fais une passe décisive, quoi. Attention. Hop. Oh là là, mais t'es sérieux? Mais les mecs, ils font deux tirs dans le match. Ils te calent des prunasses. Mais des fusées. Des fusées. Si on les connaît, ça part de... Putain, mais ça m'énerve. Ça me rend dingue des trucs comme ça. J'ai l'impression que j'ai pas besoin de gardien, au final. J'enlève mon gardien, je peux jouer à 12 sur le terrain. Enfin, à 12, qu'est-ce que je dis? À 11 sur le terrain. Oh là là, elle est magnifique, sa frappe. Elle est magnifique, rien à dire. Allez, 3-2. Putain, le niveau de ma batterie... est faible. Allez, oh ça passe. Oh oui. Vas-y, régale-nous. Hop. 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 Oh, allez, bim. 4-2, les amis. Franchement, là, on s'est régalé. Le petit crochet qui a fait plaisir.
Et puis après, le petit enroulé à droite, Ben Yedder n'a pas raté. Ben Yedder, Vieto, les amis, c'est... voilà, c'est la samba, quoi. C'est de la folie, les gars. Ça plante à tous les coups. Enfin, pas tous les coups. Parce que bon, il y a des matchs. Enfin, souvent, je vais vous dire, honnêtement, souvent, quand je perds ou quand je fais beaucoup de matchs nuls, c'est avec l'équipe B. L'équipe A, franchement, elle est monstrueuse à jouer. Je kiffe, elle est énorme. Là, on a pu voir ce but qui est assez beau. Et voilà, 4-2. On refait le break cette fois-ci. Et là, on est bien. On continue. Putain, l'Atletico qui baisse pas les bras. Heureusement, on a Nzonzi qui fait le boulot. Ouh, là, il y a des gros trous. Allez, tout seul Ben Yedder. Oh, il a plus de jus. Oh, si, si, il en a suffisamment encore. Non. Putain, je l'ai poussé trop loin. Je pensais qu'il avait plus de jus. En fait, il en avait un petit peu et je l'ai poussé un peu loin. Je suis un peu déçu. Ah, attention. Le petit gris-gris qui est en attaque. Merde. Hop. Putain, il a bien tiré. Hein, mais heureusement, le petit Rico, enfin, il fait des arrêts. Ça fait plaisir. Allez, attention à ce corner. 90e minute déjà. On a la fin. Il y a le gardien qui est sorti. What the fuck. Alors qu'il y a 4-2. C'est pas comme s'il y avait 4-3. Tu sais, il y aurait 4-3. Oh, il peut sortir. Mais 4-2, ça sert à rien, à part te prendre un cinquième but dans les dents, quoi. Bon, là, vu qu'il y a déjà eu un corner, c'est mort, je pense, mais... Ah, et puis là, du coup, bon, on mettra pas le cinquième but, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti avec Mariano. 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 Le petit crochet. La passe. C'est pas fini. Et c'est pas fini. La passe derrière. Allez, la frappe! Oh! 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 Mais là, tu vas le mettre, ce but! Voilà! Putain, sans déconner! C'est bon, ça! Voilà! Patator! Le trophée obtenu! Mais c'est quoi, cette blague? Je sais même pas ce que c'est que ce trophée! Ah, mais c'est quoi, ce but de merde, sans déconner? Mais ça fait plaisir! Vieto, qui plante son troisième but, voilà. Et il nous fait le petit coup du chapeau. Ah, là, il y avait penalty, j'ai l'impression, déjà. Là, il tire. Là, il tire. Et là, il tire. Ah putain, il a cherché ce but, le petit Vieto. De la folie. Franchement, je me régale parce que je fais des matchs de folie avec cette équipe. Elle est folle, quoi. Elle est folle. Allez, on continue. Allez, fin du match, les amis. Victoire 5-2, franchement, contre l'Atletico. Après avoir fait une victoire, c'était 5-3 contre le Real. Mais je me dis, putain, mais les gars, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel, quoi? Avec Bordeaux, avec Paris, avec Manchester, je fais des 1-0, des 2-0, 2-1, 0-0, beaucoup de 0-0 d'ailleurs. Et avec eux, j'arrive, bim, c'est la ribambelle de but, quoi. 5-3, 5-2, j'en prends autant presque que j'en mets, mais j'en mets beaucoup. Donc ça fait plaisir, Luciano Beto qui est content. C'est la victoire, les amis. On fera un petit point sur le classement dans le prochain épisode. En attendant, moi, les gars, je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Allez, ciao, ciao, ciao!